donne génération 86. Sinon ça avance pas. Non. C'est de la capacité de pouvoir frapper. Qualité sur tout ce qu'on fait, sur la rigueur avec nous-mêmes, sur les prises de balles. Fait. Voilà, let's go. Et on voit, okay. C'est d'aller un petit peu plus vite dans les appuis. Et un mouvement. Contrôle d'un mouvement. Tiens, babas. Voilà. Babas. Voilà. Allez, allez. Okay. Voilà, bien joué, babas. Bien, non. Voilà, montez bien le genou. Allez, là. Ok, on y va. Top, c'est parti, on y va. Allez, là! Ah, ouais, bien! Top, c'est parti! Quand tu dis belles sons, ça veut faire mieux. Là! Bien joué! Encore! Top, c'est parti, on y va! Allez! Reviens! Là! Voilà. Okay. Yes! Encore! Il y a deux ballons! Top, c'est parti! Allez, va toucher! Oui. Voilà! Allez, là! Ok, en place! Top! Les deux mains pour la barre. Ok. Soufflé. Voilà. Encore. Nous perdu. Oui. Encore. Bien joué. Bien joué, encore, mets toute la qualité. Voilà, qualité. Bien joué, les frères. Encore. Voilà. Bien joué. Pardon, mon bol. Mais dans 10 ans, on peut dire. Ah, Pierre va bâti. Là, ouais. Bien là, c'est Pierre va bâti. VIT UL. Demain, ça sera un test avant le match du Canada pour voir où on en est physiquement, tactiquement. Et je pense que c'est une bonne chose de faire un match amical comme ça avant de rentrer dans la compétition. Quels sont tes objectifs personnels pour le match de demain ? Ben déjà retrouver une forme physique, puisqu'on sait que bon, techniquement nous ça va, mais sachant qu'on a bien travaillé physiquement depuis qu'on est arrivé, déjà retrouver ça et puis le reste va suivre. Hein. Ben, je pense que la forme de l'équipe est très bonne. Je pense qu'on a bien bossé entre jeudi et dimanche avec deux séances d'entraînement par jour. Je pense qu'on est prêt pour la compétition et je pense qu'on va essayer de montrer une bonne image d'entrée de jeu dès demain.
Attends, attends.